Bon, et Kenken, je vois que t'envoies des petites commandes comme ça, par-ci, par-là. Ça va ce soir, la pêche est Par-ci, bonne? par-là. Aïe, aïe, aïe. Ah ben oui, non mais c'est spécial, hein. Mais tu sais, la Myrline qui nous accompagne a des capacités extraordinaires. Donc forcément, elle peut être à la fois née en Rouen, être Eorlingas de naissance, mais ne pourtant n'être qu'une alliée, hein, visiblement. Personne n'aime Rouen. Bah ouais, je suis née dans une ferme à... La ferme qui est aujourd'hui abandonnée, près de... Le problème, c'est que ça, c'est les maîtres du savoir, les bardes sont pas très appréciés des royaumes parce que c'est pas des combattants purs, tu vois, et Ils sont je crois que c'est là où chiants, ça les arrive. monstres. Hein. Bah ouais, on joue Moi, là avec je suis la Lilou et maître du Mills. savoir du roi. Attends, t'es Personne. en train Le de roi! jouer avec Lilou et Mills à Fishing Simulator? Je suis juste dégoûtée, quoi. Ça me dégoûte. Tiens, elle est jalouse. Tu sais Moi, de ouais. quoi je parle, le dégoût, Non, hein, elle est jalouse. Skyver? À quoi je fais référence? Oh, la Allô, trompe de Kevin? glaire! Alors, attendez. Attendez, attendez. Il faut que je lise ce qu'il y a par rapport au chemin. La route Ok. tourne vers l'est et mène vers la Fen Marche. Patrouillez le long de la route afin de repérer tout signe du danger. On avance un petit peu. Vous n'apercevez pour le moment aucun signe de danger. Continuez à suivre la route vers l'est. C'est qui danger? Mais on peut pas faire la troupe de guerre au nord? Qu'il faudra aller faire la troupe de guerre au nord parce qu'elle va pas s'en remettre sinon. Alors que moi, tu me disais d'aller me faire foutre? Mais en fait, on faisait toutes les troupes de C'est guerre. incroyable ça! Ça va, C'est on fait quoi ce qu'une seule. favoritisme? Mais écoute, Myrline est de mon côté, hein, toi Toto est de ton côté, voilà. Ah mais viens, tu gagneras peut-être Allez, la moi je super me tire de caparaçon. là, c'est bon, allez. Allez, Skyver! Et moi je me On sait casse. jamais! C'est Neigeborn que je vois là-bas. Non. Non? Terre du roi, Je... ça s'appelle. Voilà, en plus t'as appelé Kevin dans le chat. Edoras. On l'a appelé. Je disais que ça me dégoûte. Mais si c'est Neigeborn. Non, non, c'est Oh, mais il y a un Edoras. putain de feu de camp Bah, là. si c'est Lantaluv, c'est Neigeborn. Flacro et sa progéniture terrorisent les habitants de l'Estfold, et il est temps d'y mettre un terme. Pourquoi je loot pas la cape? Ah, ça y est. Ah, c'est une signature, c'est bon. Quand... Ouais, c'est un sacré feu quand même. Vraiment partir à faire tous les hommes. Ah, il est gentil, Kevin. Il dit Il aussi que ça le dégoûte. Tu disais que tu voulais pas venir. Flacro et ses sbires ont été vaincus. Ah non, ses sbires ont pas encore été vaincus. Hein. Et maintenant je dois attendre parce que c'est une... Putain de... C'est une bûcheronne. Hein. Qu'est-ce que tu fais, Alice? Bah là, je tue un molosse, hurlant. Et ça Et aurait été de parce que taper le j'essaye même. de... J'essaye de looter mon Mais coffre... encore une fois, elle va looter alors qu'il y a des trucs à combattre. Ça va, elle a réussi à lancer son sort cette fois-ci. Non mais il va falloir changer un peu de registre, c'est pas le même MMO, voilà. Hein. Ouais, mais tu fais la C'est même bon. chose. Non! C'est vrai que tu balances des boules de feu quand même avec les braises ardentes, hein. Ouais, c'est pas faire la même chose. Ouais, c'est moins que Mais t'es vraiment pas cool. Hein. celle de l'ouest du Rohan. Voilà. Liée à Rodogado. Je t'avais dit de venir. Eh non, attends, je peux pas voir là tout de suite. Ça va être la même que la mienne, mais moins décorée. C'est vrai.
Allez, non, je sais pas pourquoi t'es pas vous. 23h là, que je me casse, allez. Vous entendez des cris au loin. Allez dans leur direction, vers l'est. Une bûcheronne habillée avec une robe. Nicole, en fait, en faisant les troupes de guerre, on obtient les caparaçons. Non, enfin, t'as pas de chance. Et un qui s'allie. Oh non, mais allez. Bah si, j'ai Nicole. Ouais, mais normalement, c'est un looter rare sur les trucs. Bon, allez, 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 chute. Par pitié, aidez-nous. Les orques sont arrivés soudainement et ont commencé à incendier la Syrie. Oh my god. Gutlalf et les autres sont encore là-bas. Oh, vite, grouille-toi le gardien. Allez. Ouais, mais je crois que si c'est la Syrie, c'est un peu foutu quand même. Allez, vous nous aidez. J'ai réussi à m'échapper du camp avant qu'il ne soit envahi. Mais les travailleurs s'y trouvent toujours et ont besoin de votre aide. Vous pourriez peut-être introduire discrètement dans le truc. Quoi ? Moi, jamais dit. Pourquoi on va s'introduire discrètement dans la Syrie alors qu'elle est en flamme ? Fais voir ton litoral, reviens, toi là-bas. Vous pourriez peut-être aller à la Syrie par l'entrée de derrière, pas dans l'enceinte, chercher Gutlev. Moi je comprends pas trop, hein. Le truc il est en flamme, mais on va très prendre bien, le temps de faire tout le tour. Ok, ok, ok. Ok, no problem. La coupe des orques. Les orques occupent la Syrie en nombre. Les vaincre faciliterait la prise de la Syrie. Oui, mais si on doit rentrer discrètement. Un petit peu dichotomique quand même. Ah, oh, bah y'a une lampe qui clignote ici là. Ah, de loin c'est marrant, elle clignote. Alors, super, attends, y'a hein, plein de quêtes. Le truc est complètement en feu, y'a même pas de porte de derrière, y'a même pas de porte tout court en plus. Non mais vraiment. Ah, t'as dit un truc, l'email te répond. C'est des propositions, Skyver. Hein? What the hell? Proposition de quoi? Éteindre la peur. Les flammes menacent de réduire ce bâtiment en cendres si elles ne sont pas éteintes immédiatement. Cherchez quelque chose du côté de l'eau qui permette d'éteindre le feu. Cherchez quelque chose du côté de l'eau qui permette d'éteindre le feu. Mais de l'eau, oui. Ah, ça va. Pas en fait, ils disent chercher quelque chose pour transporter l'eau. La libération des travailleurs. Ça fait pas un peu parti politique, ça? Si, tout à fait. De nombreux travailleurs ont été capturés lors de l'assaut orque contre la Syrie. Tentez de les libérer. Attends, mais par où on... Bah oui, c'est pas mal l'eau en effet, hein, oui, c'est... Oh, on est obligé de combattre à pied. Oh, je suis tombé. Oh, pauvre petit bonhomme. Bonjour. Enfin, j'ai un double clic sur ma souris. J'avais un moulin. Ah oui, un moulin à eau. Je pensais que c'était un moulin avant. Ok. Alors, portez l'eau. Vite, vite, vite. Même pas accélérer. Avec un saut, les flammes s'éteignent peu à peu, laissant à leur place des traînées de vapeur. Vous avez réussi à éteindre le feu dans le bâtiment incendié. On n'en va pas aller pas. Faites de la merde. Allez, parce qu'on les a encore perdus. Ouais, ouais, je t'ai dit, moi je me tire. Attends, parce que c'est pas par là. Non, Toto, t'étais gentil, toi. Oh, mais je vois ça, ouais, allez. On va... Non, mais on va les refaire, les trucs de guerre, c'est pas grave. Ah, Alice, on n'est pas encore ma jalousie. C'est vrai qu'en plus, si ça fait comme les sangliers dans la trouée des trolls, ça va être long. Hein. Quel rapport? Ouais, c'est clair que quel rapport là, vraiment. Le rapport, c'est le taux de loot. Le taux de
Oui, je vous renvoie sur un épisode de la trouée des trolls où, avec Erok, on avait récupéré chacun un petit truc sur des sangliers qu'on avait tués. Et Skyver a tué, je sais pas combien de sangliers, elle avait toujours pas looté le truc. Non, mais c'est pas grave, on les fera tous les jours. Quoi ? Non, on n'est pas fous non plus. Vous avez vaincu de nombreux orques en tentant de reprendre la Syrie. Ah ouais, donc il fallait passer par derrière pour aller le chercher lui. Non mais non, derrière toujours. Lui, c'est la flotte en fait. Ouais, comment on y va jamais... Par contre, on peut pas aller derrière lui. Putain, c'est n'importe quoi ce qu'elle a dit l'autre là. Et forcément, ça pas suivi. Putain, et Toto. Ouais, mais là, ça frotte plus, ça ponce. Quoi ? Ah, lui, il rajoute un truc dégueulasse quoi. Il est pas... Ah, il est revenu. Bah attends, hop. C'est bon, je suis là. Un, expression de... Trois. De femme au foyer. Je ne craignais de jamais revoir ma famille. Il y en a un autre là-bas, Alice. Oh, ça y est, c'est du banjo maintenant. Au roi, du banjo. J'espère que Gutlaf n'est pas blessé. Il a tenté de nous sauver, mais les orques étaient trop nombreux. Ok. L'autre, il est derrière, là, c'est ça? Allez, là, Gutlaf. Un robuste guerrier est en première ligne. Ça doit être Gutlaf. Ah, oh, il en impose. Qu'est-ce qui vous amène en cette ère? Le sauvetage de la Syrie. Je suis effectivement Gutlaf, l'ancien porte-drapeau du roi. Vous devez être robuste, vous semblez encore en pleine possession de vos moyens. Nous n'avons pas le temps de discuter d'un plan d'attaque. J'ai entendu le lieutenant de ces orques menacer d'incendier le verger. Rendez-vous immédiatement au verger, au sud, pour l'en empêcher. Et il vient pas avec nous ? C'est un donneur de quête, hein, pas un guerrier. Ouais, ouais, bah, je vois ça, hein. Un porte-drapeau, c'est un Un porte-étendard. Ouais, c'est ça, ouais. Porte le drapeau, quoi, c'est tout. Oui, ce coup, c'est comme l'autre, là, avec celui qui fait les messages avec les drapeaux. Bah, c'est Ké. Non, ça, c'est le sonneur. Ké, notre sonneur. C'est, voilà, Ké comme notre sonneur. Alors là, vraiment, vraiment, l'autre, c'est celui qui secoue les drapeaux. Aïe, aïe, aïe. Là ou là, ça fait un peu haut. Je vais mourir. Encore ? Ah. Encore ? Mais il est chaud. Bah allez, sagesse du conseil là ! Sagesse du conseil, bordel ! Je croyais que t'étais un heal, Alice. Je croyais que t'étais. C'est bon. Alice a récupéré 20 000 PV d'un coup. Ouais. Ouais, il a pété son gros sort. Mais tu vois dans les roses, mon petit. Je pensais, mais je pensais que nous allions y rester. Et. Deux. Ah ouais? Ouais. T'as même pas fini tes quêtes! Oh, je suis choqué! Un peu chiante cette zone. Hein. Dès que ça devient marais, moi je reste pas longtemps. D'accord. Ah, j'aime pas ça. Avec la monture de guerre en plus, tu tombes dans une flaque d'eau, ça y est, tu tombes dans une flaque d'eau. Pourquoi ils foutent le feu à des arbres isolés? Pour que les gens puissent plus avoir les récoltes? Aïe aïe aïe. Je vais tuer le lieutenant. Parafox, c'est quoi ce nom de merde? Parafox. Non mais vraiment. Pouvoir faire des quêtes avec. Cool. Bah il était temps. C'est pas pour autant que Toto nous attendra. Maintenant j'en ai déjà rendu deux. Ah. Allez là. Comment pourrais-je jamais m'acquitter de ma dette envers vous? Merci. Vous avez libéré tous les travailleurs de la Syrie capturés. Oh, les autres, ils ont été cramés. Hein. Je vais se dire que c'était beaucoup plus long. Bah oui, parce que j'étais toute seule. J'étais toute seule, ouais. T'es maître du savoir, tout est long. Non, j'étais avec ma gardienne des runes. Moi aussi, c'est la même chose. C'est l'ambiance aussi, tu vois. Ça passe mieux quand on est à plusieurs, qu'on papote et tout. Quelle chance que vous soyez arrivé à ce moment précis. Sans vous,
nous aurions peut-être échoué à reprendre la Syrie. Je suis Gutlaf, le fils de Sparafok, le Tan de Fenmarche. J'étais le porte-étendard de Théoden Roi. Depuis mon récent renvoi, je travaille ici à la Syrie. Il a été renvoyé ? Mais pourquoi ? Ah, c'est pour ça qu'il est dans un marais. Il n'arrivait pas à porter le drapeau ? Nous devons maintenant nous atteler à la restauration de la Syrie. La ville natale d'origine de Myrlin. Voilà. Vers les marais. Si vous le permettez, je vais m'occuper de la Syrie. Je vous demande de bien vouloir vous rendre à Fenmarche pour informer mon père des événements qui se sont déroulés ici. Si ces orques se sont également montrés du côté d'Albourg, je crains que le problème ne soit plus grave que nous le pensions. Prenez la route de l'Est jusqu'à la Fenmarche et trouvez mon père, le Tan Sparafok. Ah bah on est cousins en fait avec le mec. Ah oui. Des fois c'est pas forcément bonne chose. Ton cousin il s'appelle Sparafok. Oui. Ah. Pourquoi non, attends. Pourquoi ça serait ton cousin, je comprends pas. Et son cousin, son frère, sa sœur, en même temps, je sais alors pas. Non, oula. Parce que notre... Ouais, c'est ça, on a un grand-père en commun. Ouais, allez, c'est ça. Allez faire sortir l'arbre généalogique, hein. Je vous le dis pas, mais je pense que c'est ça. Comment tu peux être de la même famille qu'une personne importante? Ça fait pas plaisir, ça. Non, mais si ça continue, j'entendrai plus. Hein? Oh, mais ça. Tova. Tranquille. Et Tova bien, toi? Désolé, mais bon. Elle a cherché aussi. Ah ouais, non, mais c'est un peu glauque quand même, hein? Ouais, glauque tout de suite. Ah ouais, tu m'étonnes. Ça me rappelle dans. Au revoir, pour vivre ici. Dans Arcage. Dans Arcade, la zone des marais comme ça qu'il y a sur le continent quand on fait justement la quête pour l'artisanat, il y a une zone là, des marais, ça ressemble exactement à ça. Il y a plus de couleurs là-dedans quand même. Ah oui, il y a peut-être plus de couleurs. Je sais pas si c'est de la merde, mais c'est vrai que c'est pas très agréable. J'ai même pas envie d'y rester en tout cas. Attendez, je bois un coup. Encore ? Qu'est-ce que ça te boit ? Oui. Aïe aïe aïe. Et c'est vrai que ça me donne soif. Je ne crois pas que vous trouverez bon accueil par ici. Vous avez prêté main forte à mon fils pour repousser les orques de la Syrie. Merci. La question des orques doit être réglée sans attendre, mais d'autres problèmes urgents de la fin de marche nécessitent mon attention. Pourriez-vous m'aider ? Oui, niveau 88. C'est gagné ! C'est gagné ! T'as oublié de dire, Alice, que t'étais passé 89. C'est ça ? Oh ! Le jour redouté. C'est une question de famille que je préfère garder confidentielle, mais... Bah, tu peux m'en parler à moi. mais je ne parviens pas à me résoudre à annoncer à Mérégite, la... Non, mais Mérégite, je crois qu'elle s'appelle. Mérégite, la triste nouvelle. Bah, Git, du coup, non? Bah... Avec ouais, un... Ouais, laisse tomber. Non, allez, c'est comme les I. Fais ton délire, là, allez. Maintenant que la mère de Myrlin est décédée, et Homer est l'héritier du trône du Rouen, il devra épouser une dame de meilleure famille, mais pas Myrlin, parce que ça va pas du tout. Un seigneur des marais aura une fille qui pourra lui convenir. Salut Ginny, comment vas-tu? Pourquoi GG? Ah oui, pour le niveau. Si je pouvais seulement lui parler, ce fardeau qui pèse sur mon cœur serait allégé. Allez cueillir un bouquet de flèches d'eau, une fleur qui pousse autour de la fin de marche, et transmettez-lui mon message lorsque vous lui remettrez. Oh là là, ils sont un peu dégueulasses quand même, les chiens. T'as pas de chien, toi, Yves? Ah, elle a un loup géant. Non, mais c'est normal. On n'est pas... Voilà.
son père ou Dan, pas, et ben... C'est vrai que si j'avais son loup, je l'aurais appelé œil de nuit. Moi. Merci de prendre soin de moi, Toto. Œil de nuit, bah ouais, mais c'est pas Rohirrim. M'en fous. Un nom d'un loup, quand même, qui est beaucoup plus classe. Atel Wolf, c'est classe. Atel ouais, mais c'est pas un loup célèbre. Bah non, évidemment. C'est parce qu'il a une attelle et qu'il fait wouf. Atel Wolf. Mais non, c'est une référence historique, enfin. Alors attendez. Ah, c'est la zone. Merde, j'avais vu une fucking fleur, elle est où? Mais y'a plus de fleurs, vous avez tout cueilli ou quoi? Ah, pointe de flèche, c'est bon. Ouais, qu'est-ce que tu me racontes, Ginny? Pointe de flèche, pas des. C'est drôle de vous voir chercher. On aurait dit des marguerites. C'est pour ça que t'as arrêté. Ouais, c'était chiant. Heureusement, bah super, que j'ai je suis dans la c'est zone. Pour de ça, merde. Je... Ouais, je me souviens, j'avais bien galéré parce que j'avais toujours pas les noms à ce moment-là. Bah faut les mettre les noms, Alice. C'est pénible. C'est utile. Pardon, non, mais il m'a fallu quand même que je cherche des fleurs. Ouais, en Isilian du Nord pour. Hein? Allô? En Isilian. Isilian du Nord. Isilian. Ah! Isilian. Vous savez, c'est Tolkien qui a donné des noms comme ça, Isilian, ah. La Rohan. Alors, en fait, Rohan, c'est même écrit dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a dans les. Dans les appendices, la traduction. Et ouais. Attends, je vais aller chercher le bouquin, on va regarder les appendices, hein, et on va voir. C'est lequel ? Alors, Ginny, il y a 130 niveaux, Ginny. Et oui, effectivement, ça n'a pas eu une modification comme il y a eu là sur Waritel. Là, nous avons toujours 130 niveaux. Donc, il y a beaucoup de niveaux. Mais surtout, il y a énormément de quêtes. Il y a beaucoup, beaucoup de lore. Ouais. Et le lore est basé sur les bouquins. Donc, tu as quand même beaucoup de quoi faire sur un jeu qui est en free-to-play. Donc, tu as vraiment moyen de te faire plaisir. Après, en plus, tu n'es même pas obligé de dépenser pour acheter les régions. Tu peux tout simplement farmer in-game pour acheter tes régions et continuer d'avancer dans les différentes quêtes. Enfin, vraiment, ce jeu, il est superbe en termes de contenu. Après, en termes de graphisme, effectivement, bon, il est un petit peu dépassé pour beaucoup de gens, mais il a son style, sa patte graphique. Ken aussi, hein? Ouais, Ken. Ouais. Tu peux parler cet animal aussi, hein? Pour Cancan. Est-ce qu'il est français? Pas possible, ça, hein, mais il faut arrêter de me prendre mes mots, bordel de merde! C'est qui dit ça? Oui. Alors, en fait, les fleurs, j'en ai pris une juste devant Rhoda, il a pu l'accueillir après. Hein. Oh, les excuses bidons. Ils auraient pu faire un parterre de fleurs quand même. Hein. Non, mais on dit que t'aimes pas les graphismes de l'autre, c'est tout. On dit que t'es chiant, l'animal. Ah, mais non, mais les références au Silmarillion, mais faut pas. Ouais, c'est faut pas faux. Non, il y en a pas. Tu vois, c'est d'accord non. En plus. Alors, Ginny, il y a en préparation par Amazon un MMORPG, un RPG multijoueur, on verra bien, qui est censé se dérouler au deuxième âge. Au deuxième âge, normalement, on devrait avoir des références au Silmarillion. En tout cas, il devrait y avoir des choses qui en parlent ou qui s'inspirent du Silmarillion. Mais c'est vrai que là... Les choses qui parlent du Silmarillion, elles sont noyées dans les informations du troisième âge, donc des bouquins du Seigneur des Anneaux. Après, les personnes qu'on rencontre sont pas censées connaître, tu vois, à part les elfes, je sais pas moi, les plus anciens, qui pourraient effectivement parler de ça. Mais il y en a très peu. On a quelques petits trucs, comme avec Bombadil, quand on était dans les Terres Solitaires, où là, on a eu des références sur son histoire à lui, qu'est-ce qu'il avait fait, comment il avait agi et comment il était perçu. Mais après, ça remonte surtout au royaume d'Arnor, tu vois. Donc, ça ne va pas aussi loin que le Silmarillion. Oui, on verra bien si ça sera sorti en même temps que la série. Après, je pense qu'il vaudrait mieux que ça sorte après la série. Comment, Toto ? C'est de la logique. Bah... En même temps. Ou alors que ce soit l'alpha, la bêta. Ouais. Que ce soit l'alpha, la bêta en même temps que la série, mais pas la release. Il faudrait attendre que la série soit déjà implémentée, qu'on ait des références de la série
qu'on puisse retrouver dans le jeu en termes de, je sais pas, de chronologie, en termes de, d'événements, même si c'est pas les personnages qui sont de la série qu'on retrouve dans le jeu, même si ça serait cool. Hein, vraiment, on est super content d'avoir vu Le Seigneur des Anneaux et de retrouver Aragorn dès le début quand on fait la quête épique. Hein, ça, ça fait plaisir. C'est pour ça que l'autre, ils doivent se retirer sa fonte avant la série. Oui. Et le jeu Amazon. C'est ça. Alors, on a l'autre qui a été repris par EG7, un gros studio qui comprend d'autres petits studios comme Daybreak Game. Et ils ont prévu de faire une refonte graphique, une refonte du gameplay. Mais pour quand, on ne sait pas trop. Hein, donc, ça serait pas mal, effectivement, que ça ressorte avant. Déjà, on a des modifications sur les cartes qui ont été faites avec les régions de départ. Cette région-là que vous voyez sur ma petite carte là, elle a été refaite. C'était une carte qui était dessinée comme en Evendim, comme ça là. Et maintenant, c'est une carte qui est plus topographique et qui se prête plus à des jeux plus récents certainement. Hein. Ça fait un petit peu plus moderne. On sait à quelle période du deuxième âge se passe la série. Non, on sait juste grosso modo que c'est le deuxième âge. Je crois pas me rappeler avoir vu des informations comme quoi c'était à telle ou telle période. Bah, Numenor, il sera déjà en train de lien avec Numenor. Il n'y a pas de lien, ça va juste en parler ou le montrer. Ouais, mais est-ce que ça va être au moment de la chute de Numenor? Est-ce que ça sera à son apogée? Est-ce que ça va être quand justement ils vont aller à Numenor et ça sera après là-dessus? Ça peut être tout en fait, la, comme la série elle est partie pour être longue. Oui, ça se trouve, c'est sur les fils, enfin les Rendil et tout ça, et ça se trouve, ça va parler. Ouais, ouais. Peut-être qu'on va partir du choix d'Elrond et de son frère, elf et humain. Non, bah non, pas trop vieux. À voir, ouais. Il y a beaucoup de spéculations. Bah là, il y a une elfe. Ouais, bah attends, ouais, je vais me mettre à côté, ah mince, on se ressemble pas. Ah mince. Jusqu'à sans doute la talente. Après, à voir. À voir, parce que là, on en est qu'aux prémices. Hein. Ils sont en train de rechercher un petit peu les gens pour commencer le tournage. Enfin, bon, avec le Covid, tout est retardé. Et effectivement, on risque pas de le voir avant plusieurs années. Et là, le fait que ce soit sur Numenor, ils peuvent encore tout changer, tout modifier. Donc, on va rester sur le deuxième âge, peut-être Numenor, mais on ne peut pas être certain à l'heure actuelle de se dire « Ouais, ça va être de là à de là. » Et au milieu, un petit géranium. Ouais, ça va être long, mais si c'est long et que c'est bien, hein, si ça finit pas en queue de poisson comme Game of Thrones à la fin, parce qu'ils ont voulu faire quelque chose d'original alors que Martin, finalement, il va peut-être partir sur autre chose. Voilà. Martine. Mais tu vas arrêter avec tes accentuations. Mais je peux pas dire Martin, je peux pas dire Tolkien, il faut que je dise Martine. Mais si je vous parle de Martine, vous allez croire que c'est Martine qui va se brosser, mais vous allez pas croire que c'est l'écrivain Martine de Game of Thrones. Martine va à la plage. Ça s'appelle Martine Freeman aussi. Oh là là. Non, moi je connais Morgane. Oui, moi aussi je connais Morgane, mais pas Martine. Oh, Martine Freeman. Non, moi je connais Morgan Freeman, mais c'est qui? Et ça va, on l'a pas appelé Morgan. Ah, il s'appelle Martine. Oui, ça s'appelle Martine. Il s'appelle Martine. Ah bon, mais... il a joué aussi dans Sherlock Holmes. Il a aussi joué dans les Marvel. Dans je sais plus quel. Non, mais va pas chercher ça, vraiment. Allez, mais attends. Non, mais je suis désolé. Martine. Martin. Non mais Martin, elle met juste l'accent, c'est tout, c'est Martin. Mais pourquoi l'appeler Martine, le pauvre? Mais parce le que pauvre. C'est ce que ça se prononce. Mais non, parce que c'est ce qu'il est. Mais c'est ce qu'il est. Ok, bon. Oh putain. C'est pas grave. Oh mais c'est pas vrai. Moi j'avais une prof qui s'appelait Martine, je l'appelais pas Martin. Il y aura pas trop de meurtres sur Numenor? Attends, l'email, t'as lu le Silmarillion? Il n'y aura pas trop de meurtres? Alors au début, oui, ça va plutôt bien, mais après, quand Sauron se ramène, je pense que quand même, les meurtres, c'est un petit peu monnaie courante. Hein. C'est plus des meurtres, là. Hein. Ouais, c'est des génocides, carrément. Hein. Déjà, ça suivra une foule de personnages comme Goth. Oui, ouais, ça serait pas mal, ça. Qu'est-ce qui vous amène dans le jour redouté. C'est le jour J. Non, faut s'arrêter. Moi, j'ai lu, active-toi, allez. Allez, hop, hop, hop. Mérégite, accepte les fleurs
et est suspendu à vos lèvres. Et Omer ne m'épousera pas ? Hein ? Non. Mais Régide baisse la tête, ses larmes tombant doucement sur le quai. Voilà, t'aurais pu faire quelque chose de dramatique, t'as même pas lu que c'était la future épouse. Bien. Je vais me jeter dans le lac ! Qui va pas être épousé par quelqu'un ? Tu parles d'Éowyn et Aragorn ? Non, je parlais plutôt de la sœur de Horn et du prince. De Dalamroth. My prince. Non. Mais c'est pas et Homer, il doit pas épouser Myrline. Ah, t'attends qu'on rigole à ta blague là ? Non, j'attendais surtout une réponse, mais il y a rien du tout. Ouais. Je dis non. Dis non, d'accord. Féliquette au lieu de hein ? Là, allez. Myrline, c'est une vierge guerrière. Enfin, non. Enfin, on sait plus, moi. Une guerrière. Si, c'est une vierge guerrière. Elle a pas eu de relation charnelle avec Candle. Ah ! Ah oui. En même temps, il est mort. Oui, c'est vrai. Ça serait un petit peu nécrophile quand même. Non, Candle. Ah, vraiment. Non, mais Toto. Mais Toto, mais qu'est-ce qu'il dit ? Alors, je sais pas si vous avez lu, hein, si vous regardez en bas à droite. J'espère que la série ne va pas tomber à l'eau. Ou j'espère que la série ne va pas couler. Oh là là, mais c'est comme Titanic, ça. Hein. Mais c'est nul. Ouais, c'est pas foufou. Non, non, c'est très drôle. Le jour redouté. Je savais que la nouvelle allait lui briser le cœur, mais je n'avais simplement pas le courage de la lui annoncer moi-même. Merci de vous en être chargé de cette pénible tâche. J'espère qu'elle est plus calme. Et qu'elle va nous revenir apaisée. Désormais, nous avons des affaires plus sinistres à régler. Je ne comprends pas pourquoi sinistre. Nous perdons notre temps. Ah, c'était pas déjà assez glauque de savoir que Éomer ne l'aurait pas pour épouse. Non, non, il fallait encore en rajouter derrière. Astaria avec sa sœur, quoi. À la recherche d'indices. Ces orques sont de plus en plus menaçants. Nous devons mettre un terme à leurs intrusions sans plus tarder, avant d'être débordés par leur nombre toujours croissant. Mais je ne sais guère par où commencer. Nous pourrions peut-être commencer par demander si les habitants ont vu des indices de la présence d'un camp orc. Allez parler à la population de la Fenmarche et tâchez de recueillir tout indice permettant de localiser ces orcs. Je ne comprends pas pourquoi nous perdons notre temps ici. La bannière royale. J'étais furieux en apprenant que Gutlaf avait été renvoyé par ce traître de Grim à langue de serpent. Eh, ce n'est qu'une question de temps avant que mon fils ne soit rappelé aux côtés de Théoden Roy. Et je veux qu'il soit prêt. Je souhaite fabriquer une nouvelle bannière pour lui qui porterait l'emblème royal. Les peaux de sanglier bien robustes te conviendraient pour cela. Pourriez-vous chasser quelques sangliers et me rapporter leur peau ? Ouais, ou alors aller chercher celle de Celebrimbor ? Ouais, c'est vrai que là, le cuir, il doit être tanné. C'est un très bon étendard, hein. En plus, tu peux voir à travers. Skyver, ton écran, Toto, il marche pas. Non, moi, je marche pas. Bah, tu te vois, sur l'écran de Skyver, il marche pas vide, ouais. Ouais. Ouais, là, et ouais. Et là, tu recules, hein. Ouais, moi aussi, je vois la croupe qui meurt. Ouais. À la recherche c'est bon, d'un il est réparé. Des orques ? Non, j'en ai heureusement pas vu dans les environs. Par contre, tout à l'heure, je cueillais des fleurs quand une énorme grenouille m'a sauté dessus. J'ai pensé que mon heure était venue. Ok. Ah ouais. Elle vit dans les marais et elle a peur des grenouilles. Voulez-vous bien aider les Rohirrim ? Depuis que j'ai été effrayée par ces énormes grenouilles, j'ai peur de ramasser des nénuphars. Ah bah oui, m'étonne. Comme être un maître du savoir et pas avoir de familier ni de bâton, quoi. C'était un érudit, Toto. Il est mort, quand même. Pourriez-vous le faire à ma place ? Cela m'aiderait beaucoup. Allez à l'étang, à l'ouest d'ici, et ramassez quelques nénuphars pour ma chère Lily. D'accord, c'est qui, Lily ? Je sais pas, et puis ça lui servait à quoi, les sa grenouille. Lily, mais je la connais. Je suis pas mariée avec un mec avec des lunettes. Oh, putain, mais Toto. Celui qui avait une bonne baguette ? Non, ça c'est un parisien. C'est un parisien. Les parisiens font du bon pain ? Non, mais ils s'en prennent souvent. Ah, il est au taquet ce soir, hein.
Pas ce qu'il a, hein. Il a mangé du lion ce matin. À la recherche d'indices. On mange pas souvent, tu vois. Non, c'est un homme et une femme. Nous sommes plutôt épargnés par les troubles par ici. Hein. J'imagine que les orques n'accordent pas grande importance à ces marées. Je ne veux pas être impoli, mais j'ai beaucoup de travail. Ces poulets ne me laissent pas de répit. La victoire dépend de notre force. Volaille et moulet. Ces poulets sont si mal élevés, je n'arrive pas à les regrouper. Ah, c'est peut-être parce qu'ils sont affamés, mais comment pourrais-je aller chercher la moulée qu'ils se remuent sans cesse? Hein? Mais quel monstre, Toto! Quoi? Il a fait un signe. T'as pas... J'ai rien fait du tout. Quoi? Attends, il a tué un signe, là? Oui! N'importe quoi! Mais Toto... Oui, Théormoon a vaincu le signe. Vous le voyez en bas de mon écran, au-dessus de Skyver. Et en plus, il ment, hein? Ouais, il ment, c'est ça, il ment effrontément. Où est ton signe? Moi je le vois pas, il est où ton signe? Ouais. Il continue en plus. C'est un indice, hein. Ah, Toto. Dès que j'aurai le dos tourné, je sais bien qu'ils prendront la poudre d'escampette. Pourriez-vous me rendre un petit service et aller chercher un sac de moulets de l'autre côté de la rue? Ça m'aiderait beaucoup. Moulet pour poulet. Moulet poulet. Ici, normalement, il y a quelque chose. Ah, mais vous avez pas toutes les quêtes. Qu'est-ce qui vous amène en ces terres? Eh bien, ça ne vous a pas pris longtemps. J'ai même pas réussi à rassembler ces poulets pendant le temps. J'espère que cette moulée va leur plaire. Si le moulet pour poulet vous intéresse, je peux vous repayer ce service. Sinon, je n'ai pas grand-chose à vous offrir à part mes remerciements. Ah, c'était pas trop compliqué, ce truc-là. Hein? Tu as attendu à la porte nord. Attends, deux secondes, faut déjà que je récupère les uniformes pour Lily. Apparemment, elle revenait des Somalis. Qu'est-ce qui vous amène dans cette région? Merci d'avoir ramassé ces nénuphars pour moi. Lily sera très contente. J'espère que ces grenouilles vont... Celle-ci. Vous ont laissé en paix. Quelle vile créature! Allez, moi je t'attends pas, hein. C'est bon, toi tu rends les quêtes, là. Quoi? Tu l'as pas rendu, celle-là? Non, je l'ai pas rendu, celle-là, non. Beau le cœur de... Cœur d'Azeroth? Cœur de feu? Non, qu'est-ce le cœur de musique, là. Ah. J'ai vu aucun orque, mais j'ai aperçu Mérégite passer en courant tout à l'heure. Elle avait l'air bouleversée. J'espère que ce n'est rien de grave. Hein. C'est une charmante demoiselle. Vous devriez aller parler à Tova, par contre. J'ai entendu parler d'un énorme sanglier. Sans doute plus dangereux que n'importe quel orque. Aiderez-vous les Rohirrim? Une alliance dans une meule de foin. Elle va me mettre à la porte! Je n'arrive pas à retrouver mon alliance. J'ai livré du foin pendant des années et je ne l'ai jamais égaré. Il paraît qu'elle est à côté de l'une de ces meules de foin. Et laquelle? Je dois aller préparer le dîner, sinon je vais avoir de plus gros problèmes. Mon alliance doit être près de l'une de ces meules que j'ai livrées aujourd'hui. Elle ne va pas être trop difficile à retrouver. Pourriez-vous, s'il vous plaît, essayer de la retrouver? Alors là, c'est un petit peu bizarre. Bien sûr, faut qu'on cherche une alliance dans une meule de foin. Mais il en a d'autres comme ça. Et moi, le truc que je me demande, c'est... C'est comment est-ce qu'il a pu perdre son alliance alors qu'il travaille avec ses mains, donc ses doigts doivent gonfler. L'alliance, elle doit pas pouvoir se barrer comme ça. Ouais, effectivement, si on met pas les foutus noms pour la trouver... Ah ouais, non, tu trouves pas, hein. Oh là là. C'est pour ça que je l'ai même. Non, mais je l'ai réactivé, mais je l'aurai plus. Elle est où? Je la voyais de loin et je la vois plus de près. C'est dommage, ça. C'est dommage, ça. On voit plus, on le voit.
plus. Bah. Attends, quelqu'un l'a pris là? De quoi? Mais l'alliance. Bah, t'étais pas là juste quand là j'ai pris, alors bon. Ouais, avec la robe qui a pris l'alliance. Ah non, c'est bizarre. Merci, Two Temple. Bienvenue à toi. Je suis pour rien, promis. Hein. Elle est classe, la nouvelle disposition des frames. Salut, Kunrat. Ouais, on a mis ça en place pour que, du coup, ce soit plus visible pour les deux streams. Ou plutôt pour les deux écrans sur le même stream. Mais... Et tu l'as pas déjà récup, en fait? Non, non, trouver l'alliance de... Mais, écoute, je l'ai vu... Non, mais c'est quand même dingo, ça, je l'ai vu de loin. Attends. Je me rééloigne. J'ai de relancer le truc. Comment ça va, Kunrat? Alors là, moi, je veux bien, mais je la trouve pas. Hein. On va essayer plutôt d'aller tu veux bien, récupérer. T'es sûr? Non, je suis dessus. Pas de l'autre côté. Ah non. Elle est à côté de la meule de foin, là. Bah, à vrai dire, elle est dedans, quoi. Ah oui. Je peux pas cliquer dessus. J'ai rien. J'ai rien du tout. Comme si quelqu'un l'avait prise juste avant moi et qu'elle mettait un temps à respawn. En plus, c'est pas moi. Non, non, mais c'est peu importe. Et au moins que je fasse autre chose en attendant, quoi. Je pense que tu justifies un peu trop, Valise. Bah non, je t'ai déjà rendu la quête. Bah justement. Attends, parce que de l'autre côté... tout ça. Trouver l'alliance, récupérer les pots. J'ai TP, je suis pas mage. Tu vas où là? La récupération des pots? Tu veux dire des coffres? Des coffres, l'email? Ouais, des points de chaîne? Non, c'est pas normal que ça mette une erreur. Oh, c'est pas vrai, des limaces. Aïe aïe aïe. Fais une prouesse cette merde. Sinon, tu peux recharger la. Tu recharges la page? Ok, non, allez, ça dégage. Oh, flûte, vous faites des quêtes avant moi. Attrape. Bah, c'est surtout que là, dans les pots de sangliers. Faut tuer des sangliers. Ah, mais y'a pas de sangliers. Si, en face, là. Y'a pas de sangliers, non, mais. Pardon, mais je suis pas allé plus loin. Alors, je suis désolé, mais sur la carte, c'est pas bien indiqué. Faut pas faire comme Sam, hein, et s'arrêter au champ, je sais pas numéro combien, là. C'est l'endroit le plus éloigné où je n'ai jamais été. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Encore la statue, tiens. C'est fou, ça. Enfin, c'est comme les totems de Sauron. C'est fou, ça. Pourquoi on est en combat? Mais putain, mais tu. Attends, mais pourquoi ils sont apparus d'où ils sortent? Quelqu'un a activé quelque chose? Le totem, ouais, le totem. Je fais une quête. Non plus. Il est où l'autre? Il est là. Ok. Ouais. Je pouvais pas cliquer sur le totem, donc je sais pas qu'est-ce qui a été activé. Et les sangliers, du coup, tu trouves? Oh! Une troupe de guerre! Oh, mais encore? Non, mais y'a pas de. Pas de fucking cochon, c'est. Bordel. Where is the pig? La troupe de guerre là-bas. Il est censé y avoir une zone ici en fait. Ah oui, c'est ça, c'est ce que je te dis. Y'a pas de sangliers, tu me dis, ah bah y'en a pas, ils sont un peu plus loin, ok, mais y'en a que deux. Ouais, y'en avait deux, ouais, cool. Putain, ça se trouve, c'est l'elfette de tout à l'heure qui a tout défoncé. C'est peut-être elle qui a pris l'anneau. Abusé. L'alliance, pardon. Oui, aussi, bah, on peut toujours faire la troupe de guerre. Hein. Attends, j'arrive. Sanglier, là-haut, il y a un sanglier, là, il y en a un autre sanglier. Ouais, mais en fonction, c'est pas forcément reconnu parce que c'est pas dans la zone. Trois sangliers. Ouais, ça peut-être marcher parce que là, c'est des pots qu'il faut récupérer. Zéro sanglier. Ah ouais, si, où je suis, il y en a trois. Allez, hop, on va près de Toto et la troupe de guerre. Non, c'est des signes ou c'est des sangliers?
sanglier. Troupe de guerre. Burzach et ses guerriers terrorisent les habitants de l'Est Fold et il est temps d'y mettre un terme. Cette fois-ci, on attend Skyver. Skyver, t'as la quête de la troupe de guerre? Je sais pas. Ok, je suis déjà à terre. Génial. Ouais, vas-y, meurs! Pardon? Hein? Allô? Zut, j'ai oublié d'appeler mon... Ah, mais merde, ça fait partie de la... Oh... Attaque de Korvac! Vous avez un cube, Burzach, et les habitants de l'Est Fold peuvent de nouveau dormir sur leurs deux oreilles. Ouais, on est trop fort, hein. Wow. Oh, ce que j'ai eu, c'est ça. Oh, j'ai eu un collier. Là, je l'aime. Et il est pas dégueulasse, en plus. Ouh. Cool. Allez, et je passe à 35 000 PV avec lui. Bravo. Il y en a d'autres, des sangliers, là. Ouais, c'est bon, non, pour les sangliers. Maintenant, il faut que je trouve l'alliance, moi. Ah, moi, j'ai encore des sangliers à tuer. Ah, mais oui, vous en avez fait avant moi. Oui. Je suis déçu, j'ai pleuré. On bouge pas. Un cri qui venait du cœur, ça, Skyver. J'ai même pas crié, ok. J'ai même pas crié, ok. Bah génial, je suis passé à un endroit où c'était trop profond pour moi. Ça c'est chiant là. Pas dit le contraire. Allez. C'est bon, là je la revois l'alliance. Non mais c'est ça, quelqu'un l'avait prise juste avant. Vous pouvez pas cliquer dessus, il y avait rien. C'était sûrement moi juste pour te faire chier. Peut-être, ouais. Il dit lui. Ça se fait pas. Oh, beau petit bonhomme. Non mais franchement je suis choqué là. Ah tiens, je vais regarder ce truc que j'ai eu. La selle. Il est blessé, t'as oublié. Apparence. Porte de bré. Caparaçon de pique-nique. Non, c'est pas les caparaçons que j'ai. En bière, ah ouais, c'est ce nouveau truc. Oh bah elle est pas fofolle, hein. Oh, hello. Ouais, c'est une petite selle en fait. On va remettre celle-là, allez. Ok, ok. Très bien. Du coup, Dritwald, il va être content, il a retrouvé son alliance. Aiderez-vous les maîtres des... Vous l'avez trouvé ? Oh, je savais que je pouvais vous faire confiance. J'espère que ça n'a pas été trop difficile. Maintenant, ma femme ne me fera plus coucher dans les marécages. Comment pourrais-je vous remercier ? Super. Quoi ? Bonjour. Non mais... C'est quand même dingo, parce que il lui a dit ou elle l'a remarqué, elle regarde tout le temps ses doigts. Allez, on va parler au Tan. Putain, il est là-bas. Et on va finir en parlant au Tan. Médaillon perdu. Ah, mais Rhoda, il a pas récupéré le médaillon perdu. Non, attends, j'ai pas récupéré, oh, mais je vais parler au Tan avant de finir parce que. Protégeons ces terres. Là, c'est l'heure. Mais pour combien de temps encore ? J'en ai suffisamment. Oh, j'en ai suffisamment pour commencer. Merci de m'avoir apporté de si robustes peaux. Mon fils chevauchera bientôt aux côtés du roi, portant sa nouvelle bannière. Voilà. Oui, je suis désolé, mais je préférais m'arrêter là parce qu'il est déjà 23 heures passées et ça va être difficile sinon...